Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je suis.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Even sans le code. Monday.com. Salutations, nous saluons, nous disons merci à Soya de ce que nous entrons la caillou en éditeur, éditrice qui a écouté nous dans la radio Disciple à Soya. C'est groupe Disciple qui live ensemble avec nous à Soya. Côté que nous avons un dialogue spirituel non qui branche à Soya. Nous disons chaque bon merci de ce que nous sommes capables d'entrer la caillou à Soya et permettre nous entrer la caillou. Nous invitons à bonne écoute, nous dans le groupe Disciple Radio. Que nous émissionnons chaque lundi, de lundi à vendredi, de 8h à 9h. Le mercredi, nous avons Bible Study, de 8h30 à 10h30. Et nous avons prier line, nous, numéro 1, c'est 646-749-3112. Et access code là, c'est 532-16-86-13. Côté que vous êtes capable d'attendre du lundi au vendredi. Côté que nous avons prier line, nous, qui ouvre chaque soir, qui est capable d'entrer la caillou en direct. Et nous dans Facebook, c'est www.groupedisciple.com. Facebook, c'est Groupe Disciple TV. Nous dans Instagram, dans Twitter, ou capable suivre nous dans YouTube, Groupe TV TV. Côté que nous capable entrer la caillou chaque soir les que nous gain émission nous et à soir nous du bon l'écoute dans minute ça côté que nous gain émission qui commencer. À soir nous gon sujet bien intéressant pour vous-même qui veulent écouter et qui veulent participer ensemble avec nous. Numéro de téléphone nous c'est 516 673 4313, 516 673 4007. Et sujet nous pour à soir c'est de croire pour être sauvé. Dans minute ça, nous pourrons passer dans prière pour que nous capables commencer quand nous connaît pas grand rien qui fait sans la prière. N'a demandé avec pasteur Winner capable conduire dans la prière pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Courbez tête nous pour la prière. Céleste Père, Dieu tout puissant, Dieu d'amour, Dieu réel, Dieu de gloire, Yahweh le grand Dieu sauveur manifesté en Jésus-Christ. Nous bénissons à son et à Seigneur. Nous louons, nous exaltons, Seigneur Dieu, nous magnifions et nous disons merci, Seigneur, de ce que vous rendez moment ça propice pour à nous-mêmes, Seigneur. Et côté depuis matin, nous avons mené activité nous sommes allés du nord au sud et de l'est à l'ouest, et nous-mêmes qui avons conduit, nous avons épargné nous de tout danger, nous avons épargné nous de tout malheur, nous avons épargné nous de toute intempérie. Et vous épargnez nous de tous les assauts répétés de l'ennemi. Et à souhait, vous avez une opportunité pour nous capables de venir chita bon tabla. Et pour nous capables de partager la parole. Oh, Père Saint, nous rendons gloire à nous. Nous nous merci. Merci, Seigneur, pour ce que vous faites de nous. Et ce que vous continuez à faire de nous, Seigneur. Et dans ce moment ça, nous levez chacun de nous devant, Seigneur Dieu. Nous levez, Seigneur, chaque frère et sœur. Et qui chita bota blanc ensemble avec nous. Nous demandons au Père, ou capable d'animer yo par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, parce que parole ou déclaré, il dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, nous demandons pour voir lumière parole ou. Parce que dans Psaume 36, nous lisons, Seigneur, il dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Et c'est la lumière parole éclairer nous, c'est ça nous-mêmes nous éclairer, Seigneur. Nous demandons pour éclairer chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Et nous demandons, Seigneur Dieu, pour éclairer aussi penser nous, Seigneur. Parce que parole déclarée, il dit pensez pas, pensez pas nous. Seigneur Dieu, il dit et voit pas, pas voit pas nous. C'est peut-être raison nous demandons pour guider penser nous. Il est pour capable de parler à travers nous-mêmes, Seigneur. Afin que Seigneur Dieu pour parole ça qui finit parler et qui pour capable Seigneur Dieu pour te j'aime parce qu'en pile monde cap tendez à soya émission ça et ça gain ça qui fait rencontre avoir déjà mais Seigneur et qui pas tellement accorder valeur avec parole là gain ça dit tout qui pourquoi accorder valeur avec dit tout
et c'est ton ça Seigneur Dieu par ton Saint-Esprit côté attendre parole ça et qui est capable convaincre que yon, alléluia que yon besoin un sauveur. Et c'est comme ça Seigneur Dieu n'a pas d'eau pour prendre place sous parmi nous, prendre place sous Seigneur Dieu et dans ligne, prendre place sous dans l'air là et nous condamner tout esprit qui pas venir de où, tout esprit de trouble, tout esprit de distraction et tout esprit qui contraire à la parole. Et que le Saint-Esprit, alléluia, capable d'animer chacun de nous et non seulement Seigneur Dieu nous-mêmes, mais monde et cap tant de nous et l'autre temps et auditeur auditrice et radio disciple d'atcom cap tant de nous. Et que cet esprit va animer eux, et c'est comme sa parole ça va entrer dans eux-mêmes et il va porter fruit, il va porter changement dans la vie au Seigneur. Papa nous bénissons, nous bon gloire, mais moment ça nous va passer Seigneur Dieu, nous remettre les dans main, prend contrôle et prend charge et prend direction Seigneur. Avec nous papa chéri, nous prions qu'on s'appelle, nous pas bon nous pas dit mais nous pas gain mérite, mais nous prions au nom de Jésus et qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Et on l'autre fois encore on a passé Saint Myriam à la gloire de Dieu. Bon Dieu bénis nous, nous saluons nous encore. Dans la minute ça, nous avons un panel ensemble avec nous. Nous allons faire introduction à chaque monde qui est dans le panel pour capable de saluer à la gloire de Dieu. Évangile Duval, nous bon konna. Bon Dieu bénis nous. On le fait encore, je salue frère avec ce mieux. Surtout ça qui va nous opportunité pour nous entrer la caillou. Et nous avons l'impression qu'il y a un peu de capteur de nous à soi. Et si réellement vous voulez attendre nous, faites nous sentir que nous ne pouvons pas parler dans l'air. Il est vrai que parole bon Dieu supposé parler dans le désert, mais nous-mêmes nous parlons dans le désert, nous avons une station radio, côté que nous avons l'impression qu'il y a un pile frère avec soeur qui t'a voulu comprendre, qui t'a voulu d'accord, qui voulait essayer de capable dire qu'on est qui moyen pour sauver à soi. C'est une opportunité pour nous, à soi là, pour nous parler avec vous de. Bah, on est qui ça, vous pensez, parce que frère Wilner. Et jusqu'avant que nous quittions la salutation faite, jusqu'avant nous commençons et nous avons commencé, parce que nous avons l'autre frère et sœur qui sont sous panel là. On a fait place ensemble avec sœur Albert qui est capable de saluer le peuple pour la gloire de Dieu. Bon Dieu bénis nous. C'est un privilège encore à soi pour moi en panel ça encore avec nous côté que n'a discuté la parole. Nous dit bon Dieu merci pour ça et nous dit bon Dieu merci pour nous chaque qui là et nous dit bon Dieu merci aussi pour chaque monde qui t'a mis ton petit temps à part pour yo suivre débat ça pour yo suivre discussion ça avec nous côté que nous pral parler de la parole, nous pral parler de un sujet qui très intéressant et un sujet aussi nous connaissons bon pour nous. Nous souhaitons que nous tous prenions disposition nous pour nous apprendre, pour nous participer avec nous, pas quitter nous pour nous. Bah nous support, faire nous connaître que où là, faire nous connaître bah nos suggestions qui sont pensées, opinions nous, tout ça à encourager nous pour nous continuer faire travail là. Nous dit bon Dieu bénis nous et bonne écoute. Ok, n'a fait place, amen, amen. N'a fait place à Sœur Laura qui est sous panel là avec nous. Bon Dieu bénis nous, moi salue nous dans le précieux nom de Jésus qui t'est mouru pour nous, liban nous la vie et qui permet à soi à nous capables de retourner encore dans le dialogue spirituel ensemble avec vous. N'a pas invité ou à soi à commencer à prendre plume ou prendre cahier parce que nous gagnons pile parole nous pour parler à soi à et n'a pas dit ou merci d'avance parce que vous avez accepté nous rentrer la cahier ou à soi à comme le frère Duval déjà dit. Nous t'aimons ba nos feedback relé dans radio et puis vous capable faire nous sentir ou là avec nous. Bon Dieu bénis nous. Amen, amen, amen. Amen. N'a passé avec évangéliste pasteur Wilner qui a commencé pour nous avec question ça, que dois-je faire pour être sauvé? Quand nous connaissons dans monde ça en pile mon avec inquiétude, yo pas connaît exactement ça pour yo faire. Comment pour yo marcher et comment pour yo jwenn une solution avec inquiétude yo pour yo konnen comment pour yo sauver. Amen, amen. Nous saluons, comme nous déjà dit, non moi c'est pasteur Wilner Antoine, n'a saluer tout auditeur auditrice radio disciple d'atcom yo. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Et son plus rentrer la caillou à soi et écoutez nous aller partager ensemble avant étude ça.
et que nous gagnons qui c'est que dois-je faire pour être sauvé dans un dialogue spirituel côté nous gagnons avec nous tout panel là et nous profiter l'occasion tout pour nous saluer toute notre frères et sœurs bien-aimés qui qu'on a avec nous nous profiter pour nous saluer à soi et pour nous capable introduire et tel sujet que dois-je faire et pour être sauvé et bien et nous connaît bien et désir qui veut dire tout pour au désir pour le monde est sauvé parce que de, l'homme a toujours cherché qui veut dire un bagage qui veut dire pour satisfaire et l'homme les toujours reconnaître il y a un être et qui supérieur qui veut dire et à lui-même mais aussi tout parcours la vie la vivre dans une inquiétude et malgré qu'on soit sale capable de posséder mais inquiétude là toujours là et la question de la mort est toujours posée qui veut dire comme inquiétude et les nous des inquiétudes les parfois les poser même des questions il dit que la question qui côté le sorti qui côté et qui côté lié à l'actuel et qui côté pour aller et c'est comme ça qui veut dire et assurer à nous mêmes et pour nous montrer qui côté aller et qui côté le sorti tout et qui côté les doit aller mais ça pour le faire parce que l'homme non avant pour nous capable d'où et la mort il pas une fin en soi pour que ça nous dit que monde qui dit après la mort c'est le néant mais après la mort il y a la vie après la mort il y a deux sortes de vie et il y a ça nous dit la vie avec Dieu et la vie dans le temps de feu et c'est ça qui fait assoya nous venir avec sujet ça qui veut dire et pour capable comprendre exactement qui ça nous relé qui veut dire que comment doué qui ça doit faire pour sauver qui étape pour suivre qui marche à suivre de faire et pour capable sauver nous pas connait comment comprendre notre sujet ça Frère Duval bon d'abord et avant que nous même rentrer dans sujet ça je vais faire introduction non c'est pour nous qu'à comprendre que il faut que nous accepter que Jésus-Christ mourit pour nous et de là où parler à votre Paul pour aller dans Philippiens 3 verset 8 il faut que vous renoncez à vous-même pour gagner la vie éternelle c'est-à-dire que si aux gens qui ont avancé de mon cap posent ces questions c'est parce que ils peuvent se soumettre ils ne capable d'où à Jésus-Christ c'est-à-dire vendredi passé et excusez-moi samedi passé nous demandé est-ce que nous comprenons est-ce que nous sommes d'accord est-ce que nous croyons est-ce que nous valorisons le sang de Jésus qui a été coulé sur le bois calvaire. C'est-à-dire qu'un monde capable du premier bagage pour capable bénéficier de la vie, c'est renoncer à vous-même. C'est qu'on est que si vous vivez, c'est Christ qui a vécu dans vous-même. Maintenant, pour vivre, vraiment pour être capable de dire ça, il faut gagner des marches à suivre. Moi, t'as dit accepter Jésus comme sauveur personnel ou selon Acte 4, verset 12. Et l'audit selon à 4 verset 12. Verset 12 que il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça veut dire vous voulez faire me comprendre qui veut dire et à soya s'il n'a pas de qui doit être pour être sauvé et n'a pas le donc question de la foi en Jésus-Christ. Amen. Et comment comprendre la question de la foi, et c'est Albert, la question de la foi, parce qu'il parlait de la foi en Jésus, il parlait de la foi. Et comment comprendre la question de la foi? La foi, c'est que vous croyez que Jésus mourit pour vous. Mm-hmm. C'est une ferme conviction que lié. Et puis, lorsqu'il y a la foi, bon, je dis aussi, parce que à la foi, vous croyez. Mais pendant que vous croyez, il faut avoir patience pour persévérer. C'est ça qui vient faire ou vient agir une fois côté que ou quoi d'une manière telle que ou persévérer dans ça que ou quoi ou patienter dans ça que ou quoi c'est comme ça moi la foi et c'est Miriam il parlait de persévérance mais beaucoup qu'a tomber dans persévérance et parce que il veut dire avant de persévérer faut me combattre montrer la donne
Oui. Et nous jouons aussi qui veut dire dans Romains chapitre 10 et qui veut dire il dit et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et est-ce que d'accord avec moi, il dit pour un monde pour accepter la parole là, ça veut dire faut gagner la foi, mais il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ben d'accord, oui, mais fais nous préciser que ça veut dire la foi. Il y a un peu de foi. Exactement. OK. Et bien la foi qui sauve. Mais foi ça qu'on a parlé là, il faut qu'on fait une déclaration avec bouche. Ça s'appelle une confession de foi. OK. Par exemple, on fait une confession de foi pour reconnaître la grandeur de Dieu. C'est même on parle dans nous capable dire dans Matthieu 10 verset 32, il parle de c'est pourquoi quiconque me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Et qui est dans les cieux. Mais quiconque me renie devant les hommes, je renie aussi devant mon Père. Et au point où on tourne en Romains 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et dans Romains 10, là, il y a un qui est très important, Frère Duval, il dit si tu confesses de ta bouche, mais. Il y a un verset clé qui est important, c'est que nous gardons par là avant de nous demander pour nous gagner la foi, mais il parlait de qui veut dire qu'il faut qu'il envoie. Est-ce que vous comprenez? Si nous avons lu qui veut dire dans Romains chapitre 10 là, et les gens qui t'aiment dans Dia, il dit qu'il faut qu'il y ait un monde qui témoigne et qu'il faut qu'il envoie. Est-ce que vous comprenez? Il dit comment donc invoquera-t-il celui qu'il n'a pas cru? Il dit comment donc invoquons-t-il celui qui nous a cru? Parce qu'il n'a pas parlé des fois converti, qu'on va plus accepter Christ. Et puis parole là, il fait poser des questions. Romains 10, verset 14. Il dit comment donc invoquons donc celui qui nous a cru? Alors j'ai dit que là, c'est frère, c'est ce Albert qui va aller, qui nous a dit, monsieur Albert, avancer sans entendre par la conviction. Ok, ou bien sans entendre par une décision, ou bien sans entendre par conscience. Envoyer là comment tu veux aller. Parce que dernièrement, je m'attendais dans l'église que je dis n'importe qui, car il y a une mission. Eh bien, conviction, c'est une décision qui ferme, que vous prenez pour faire un bagaille, que vous connaissez déjà, que vous supposez faire, alors décider pour faire li, et renoncer à ça qui n'est pas bon, qui veut dire que vous une conviction, c'est une ferme décision que vous prenez pour faire. Li. Pour faire ça, vous connaissez qui est bon, ça, vous décidez pour faire. C'est ça, une conviction. Li. Oui. Mais conviction, ça, c'est... OK. Lorsqu'on parle de conviction, n'a pas parlé de conviction, c'est... Moi, t'es qu'on fait un bagaille, et puis qu'on y a, moi, dit m'a pas fait encore. Faut me dire, bien, depuis que vous rencontrer avec Jésus-Christ, ou pas quand même mon encore. Leur dit ou abandonner ou supposé abandonner toute bagaille. Et pour nous retourner dans la question, nous t'avons dit qui ça pour nous faire pour nous sauver? Puisque moi voulais sauver, moi supposé abandonner toute vieille œuvre de la chair, tout désir de la chair. C'est ça moi capable de dire non et abandonner. Qui faut des convictions étant que chrétien nous pas qu'à vivre Jean Nouvelé faut nous des convictions dans Jésus-Christ. Il faut alors, signaler aussi faut, que nous des frères et moi qui avec pardon, pas dans avec nous mais qui voit message qui participe avec nous à distance côté que il dit nous comme ça selon Matthieu 7 verset 21 et 23 côté que frères et moi dit nous comme ça celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux sera sauvé. Donc, pour être sauvé, il faut faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Ça, c'est message frère et moi
pour nous. Ok. Mais bon, on va dire que frère, on a dit tout à l'heure, avant d'entrer dans la volonté de bon Dieu, que. Fais pas on la parler pour nous entendre pour le gagner la foi. Exactement. Ok. Exactement. C'est à partir de là, nous pouvons dire comme ça que, pour que vous allez dans la mission, pour qu'on parle pour là, pour qu'on la qu'a fait effet, fait ou même tout pour ce monde marcher selon volonté de bon Dieu. Selon volonté de bon Dieu. Ça dit que nous avons fait l'évaluation dans l'acte 1er verset 18, ou à recevoir une puissance. Mm-hmm. Et le Saint-Esprit survient sur vous. Yes. Mm-hmm. Et vous serez mes témoins. Ok. C'est à partir de langage ça, qui fait que vous avez déjà dit que vous avez prêché dans le désert. Répondez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Mais la même chose que le Saint-Esprit a manifesté dans vous-même, il permet tout pour prendre une décision pour reconnaître le salut du péché, c'est la mort. Et faut et pas tête ou non, l'évangile du va, c'est là moi-même j'ai besoin d'entrer. Parce que quand pile les gens qui demandent pour qui ça a besoin de convertir, mais faut dire c'est là la question à poser. Il faut étendre les paroles là. C'est à cause du péché là. Ou besoin qu'on veut dire. Amen. Parce qu'il dit tout homme en péché, selon Romains 3, verset 23, ils sont privés de la gloire de Dieu. À cause de privés de la gloire de Dieu, ça veut dire qu'on besoin de repentance. Non, mais c'est. Je connais que c'est Myriam, comment il fait dire privé de la gloire de Dieu et pourtant, c'est petit bon Dieu. Parce que vous avez péché, de pour péché, vous privé de la gloire de Dieu, ou pas après bon Dieu. Encore, vous capable de connaître ou c'est petit bon Dieu. Mais oui, nous tous c'est petit bon Dieu. Mais pour nous rester dans la ligne que nous c'est petit bon Dieu, il faut nous faire volonté, papa. Mais si nous dépassons de volonté, nous ne pas arrêter sur le chemin, hein, nous avons péché, nous ne pas petit encore. Même là, nous c'est créateur, ça ne veut pas dire que nous avons fait volonté. Mais pour nous accepter, pour nous venir petit, il faut que nous fassions volonté. C'est ça que la parole de Dieu fait nous connaître. Ce n'est pas tout le monde qui dit que c'est petit bon Dieu, mais c'est ça qui a fait volonté, papa qui est petit. Exactement. C'est ça qui fait dire aussi dans Jean 3, verset 16, croyez en lui et vous ne périrez pas. Il suffit que vous croyez, parce que salut ça que bon Dieu, que Jésus fait, que nous, c'est par la foi que nous jouons salut, ça qu'il offre, nous, qu'il dit ça aussi dans Éphésiens 2, verset 8 et 9. C'est par la foi où on recevoir salut ça. Alors salut ça c'est un don le don de Dieu que les banou. Alors c'est ça que fait si nous croyons dans lui-même, n'a vive. Mais pendant les deux dans le là, nous avons une préparation. Sœur Albert est bien insisté. Est-ce que si mon nan croit vrai ou bien est-ce que si mon nan dit le croit repenti, est-ce que le repenti dans le vrai sens? Mais là on appelle Romains 10 verset 10 il parle d'où? Quand c'est un croyant du cœur. Mais là, pas les deux cœurs là, ça veut dire que c'est une bonne repentance qu'on fait. C'est pour un fait. C'est même un gros qui sort au fond du cœur. Ça veut dire, vous voulez dire, que c'est une repentance. Of course. Ok, parce que mon n'a pas de repentance dans la bouche. C'est Myriam. Est-ce qu'on sent que. Vous n'avez pas impressionné, c'est tellement serré, mon ne pense. Moi-même, moi, j'étais con le. Époque l'aime en Haïti, moi t'as dans l'église, je suis tellement chanté, je dis tout le monde c'est pour convertir, ou pas convertir, ou mourir. En plus, vraiment, c'est pas vraiment ces convictions qui fait vous approcher, c'est bruit. Et ça fait bon Dieu dit nous pour nous quitter foule là. L'aller après, il a dit oui, c'est pour convertir, ou pas convertir, ou mourir, ou pas convertir, ou pas accepter Jésus. Mais ça qui passe, mon là qu'on y a avec question inquiétude, li, pendant un moment, il dit ok, m'a pas approché. Pour me dire ça m'a poursuivre, ça m'a joindre. Mon n'a pas fait vraiment avec elle. Ils ont approché parce que li gen bruyant qu'a fait dans tête li. Les filles juste voulaient faire avec la fait, mais c'est pas qu'elle vraiment qui voulait dire. Et ça fait les fois en pile, mon approché devant. Yo vin di yo accepté Christ. Les filles après ça, l'ont cherché pas dans l'église encore. Mais Féouné, est-ce que nous dit c'est bon Dieu qui a ajouté mon dans le travail? Dans l'église. Mais lorsque vous allez approcher façon que frère sœur Myriam dit, est-ce que pas gagner une continuité? Parce que nous-mêmes étant évangélistes, rôle nous c'est passer dans zone là dans area ou bien dans canton côté n'a évolué pour n'a parler parole là. Par émotion comme tu viens de dire, mon n'a loi repenti, mais tout de suite après que leader spirituel que nous les pasteurs, c'est lui là lui-même pour le faire suivre. Mais s'il pas fait suivre, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque ce monstre tombe dans la terre, ennemi a passé pour le racheter ce monstre. Mais ou même étant leader spirituel,
que vous connaissez le travail qui était fait, est-ce que ce n'est pas au moins pour continuer ça appelle la continuité de l'évangile qu'a fait encore temps, c'est à partir de l'idée spirituelle qui était dans la zone 9, frère. Et pour nous capables de répondre avec la question ça, et en nous aller dans Matthieu, qui est chapitre 18, et côté Matthieu chapitre 28 au lieu de 18, côté le Seigneur, il y a deux versets qui clés pour Frère Duval. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et puis il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il va arrêter là. Est-ce que vous comprenez? Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, il veut dire, pour enseigner au monde, il faut avoir contact avec elle tout le temps. Il faut avoir une relation avec elle. Ça veut dire, de bon suivi. Lorsque mon monde vient dire accepter Christ comme sauveur personnel, li, ou même sous ta fait évangélisation ou pas habiter dans zone là, ou doit indiquer mon ça on l'église et côté qui me dit il y a marché là selon la foi en Jésus-Christ pour mener ni avec pour capable pour enseignement avec pour capable rester dans enseignement de la parole. OK. Bah alors qu'on a nous qui sont dans débat sur table là. Bah connaît et ce Albert tu as écrit parce qu'il faut suivre ça, il y a dit pour nous faire un suivi. Frère, on a dit un mot là, baptisé. Baptisé. Tendez-moi, Duval. Je suis venu baptiser parce que nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? On a commencé par le commencement. Ok. On a commencé, ça veut dire, dans la première étape salia. Première étape salia, nous t'ai invoqué, nous t'ai dit c'est quoi selon Acte 16, verset 30 à 31. Ok. Et question ça nous poser à soi. Gon lè gon moun ki te pose kesyon sa. Est-ce que nous ka prouvé Bible nou pou Noël? Parce que c'est pas celle nous même qui te pose, gon moun ki te pose. Yeah. Nous commencer par le commencement. Oui. Nous ta remet prendre Acte 16 verset 30 à 31 côté centenia pose kesyon sa avec Paul. On va regarder le boue. On va regarder le. Dans Acte chapitre 16 verset 30 et à 31. Parce que l'important si gon moun ki te pose kesyon sa, juste sa question gon importance capitale n'a traité à soi. Et auditeur, auditrice et radio disciple, qui veut dire nous mandons, qui veut dire et pour brancher avec nous, pour capable comprendre l'importance qui veut dire des questions ça à soya, parce que qui veut dire l'homme qui vit dans l'inquiétude, il a besoin de salut. Et question ça a été posée, c'est à cause de l'inquiétude dans qui veut dire le géolier qui t'a surveillé Paul avec Silas, il était venu dans l'inquiétude, il était senti les non-positions désespérées. Okay. Parce que, pas oublier, non, porte prison était ouverte en tant que chef prison, qui a surveillé prison. C'est lui qui a, puisque prisonnier sauvé, c'est lui-même qui parle de la prisonnier. Pas oublier, non, ça veut dire qu'il y a là, lui-même dans l'inquiétude. C'est ça qui fait qu'il y a là, il regarde Paul lui-même était là, lui-même Paul, qui ça pour me faire pour me sauver? Allons regarder dans Acte chapitre 16, verset 30 et à 31. Il dit comme ça, il les fit sortir et dit, Seigneur, longtemps qu'il veut dire pour elle, dit Seigneur, longtemps c'est comme ça a été qu'on a, et ce titre ça a été accordé à tout le monde qui veut dire qui capsule l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Il dit Seigneur, et que faut-il que je fasse pour être sauvé? Tendez ça pour lui répondre. Est-ce que question ça a prêté à celui-là? Il dit Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et l'ignon question là important, il dit crois au Seigneur Jésus. Il y a le premier bagage pour nous faire, nous te dit première étape ça lié au besoin croire en Jésus. Mais il dit pourquoi? C'est qu'il veut dire faut gagner la foi, nous te parlé de ça déjà. Et kounya là, il dit l'on fin quoi ou pas arrêter là seulement. Et en nous aller parce qu'on deuxième étape que relé qui veut dire il dit converti. C'est ça. L'on fin quoi qui veut dire il dit kounya c'est converti. Comment nous comprendre ça relé conversion dans Acte 2 verset 38 ou capable appeler le tout sous ta besoin chercher lui. Gardez pour qui veut dire qu'il s'est dit de conversion. Parce que l'on fin quoi à son yon, mais on va arrêter là. C'est première étape salut parce qu'on a dit que dois-je faire pour être sauvé? Il dit quoi premièrement? Acte 2 verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez
le don du Saint-Esprit. À nous prendre premier mot, on a venu dans baptême nan, il dit repentez-vous. Repentez-vous. Premier ça Pierre dit frère évangéliste là, c'est Albert tout. Est-ce que vous capable dire nous ça repentance là, il dit exactement. Bon, nous, ouais, pour repentir, pasteur Willer, c'est que vous connaissez qu'au péché ou renoncer à péché ça et vous connaissez que vous divorcez dans encore. Non, c'est quoi exactement le péché? Est-ce que c'est Miriam qui a dit? C'est quoi exactement l'évangile? C'est quoi le péché? Hein? C'est Miriam, c'est quoi le péché? Le péché, c'est de désobéissance à bon Dieu, c'est faire ça qui ne plaît ensemble avec bon Dieu. So, le repenti ou celui que j'ai fait changement de façon qu'on t'a vivre là, si tu as vivre en façon qui pas bon ou celui que j'ai connu pour aller changer. C'est comme si on t'a marché au camp, on fait un demi-tour pour retourner à l'arrière pour garder ce que tu as fait pour être dans la bonne voie, pour capable prendre la bonne voie. C'est ça, moi. Exactement. Ça veut dire la Bible déclarée, j'ai noté sur le déjà, il dit en Adam, tous ont péché. Yes. Il dit en Adam tous ont péché. Elle dit c'est pourquoi par un seul homme, selon Romains 5 verset 12, il dit c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Mais inquiétude là oui, il dit ainsi que la mort étendue et sur tous les hommes parce que tous ont péché. Elle dit la mort étendue sur tous les hommes à soi qui de nos jours. Qui tout est blanc, qui tout est nègre. Quelqu'un soit qui veut dire nationalité ou pour te gagner, ça veut dire depuis que tu marches dans le péché, ça veut dire et parce que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous avez nous, quand on comprend ça, pour le repentance, on a dans Luc, on ouvre la Bible, nous, dans Luc 24, verset 47. Dans Luc 24, verset 47. Luc 24:47. Il dit et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations et à commencer par Jérusalem. Allez, c'est-à-dire que ouais suivi repentance là. Allez, d'abord par exemple dans la semaine 2000 là, il dit et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples. En commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Il dit en commençant par Jérusalem. Yeah. Et c'est ça qui fait qu'il veut dire apôtre Paul là, qui veut dire dans verset nous saute lire et dans Acte et apôtre Paul et Silas dans verset dans Acte 16 là, il dit pour c'est pour ou même avec toute famille. Mais il dit en commençant par Jérusalem là, mesdames et auditeurs auditrices capteurs de maintenant. Ça veut dire l'évangile a deux péchés, la caillou d'abord. Amen. Mais j'aime tant en abdi là, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand on m'a regardé là, tout dans Somme 51, côté il dit que nous sommes nés dans le péché. Ce qui signifie, depuis me fait, sans pouvoir faire rien, c'est comme si m'entendre dans le péché déjà. Oui, c'est ça que nous relie péché originel là. C'est un vrai péché parce que ça veut dire. Il a souillé pour le péché. Il dit en Adam, tous ont péché. Puisque nous sommes descendants d'Adam, ça veut dire nous hérités d'Adam le péché. Alors c'est ça qui fait nous faire différence entre le péché et les péchés. Et les péchés. Le péché, c'est ça que vous êtes héritier. Et ça fait tout à l'heure là, nous avons parlé avec je crois, avec Jean Aubert. Il dit que nous sommes sauvés par le don. Ok? Mais nous sauvés. C'est de péché d'Adam et Eve là, oui. Que. Parce que pas oublier de Genèse jusqu'à Malachie, bon Dieu a essayé tout ça pour le faire peuple Israël là, pour retirer le corps dans le péché. Jusqu'à ce que la Bible fait au moins 4000 ans de silence absolu, par le théologien qui a dit ça qui est passé dans l'époque ça. C'est là, ok, nous pouvons louer Jésus-Christ, qui pouvons livrer Vili pour le capable pécher et pour pécher que nous héritiers dans Aïdé et là. Mais la continuité des péchés, nous que les péchés, tout en a vivre sur terre, nous s'il a fait péché toujours. C'est à partir de là, on voit loin, non? Il faut comprendre dans 1 Jean 1, verset 9. De vous confesser péché, ou bien un avocat, auprès de papa qui défend nous. Mais péché, ça lui-même, on oblige toujours à la repentance, frère Moulin. Oui, qui veut dire la repentance, il faut du val son acte qui nous fait chaque jour dans la vie. Chaque jour. Parce que parole de Dieu déclarée qui veut dire nos péchés en parole et nos péchés en action. Donc, qui veut dire nos péchés volontairement et nos péchés involontairement. C'est ça qui fait que la repentance, hein, son bagage qui nous fait pour nous faire chaque jour. Mais je vous dis à Fred Duval, parce que on a dit auditeur, auditrice, qui veut dire qu'attendez-nous là,
il dit bon Dieu annonçait qui veut dire maintenant que tout l'homme capable de venir à la connaissance de la vérité. C'est ça qu'il dit dans 1 Timothée 2, verset 4. Quand est-ce que bon Dieu fait une déclaration que moi-même, il t'a amené tout sauvé. Et pour venir à la connaissance de la vérité, je ne connais pas ce million qui sont pensés de la vérité. Bon, la vérité, il dit dans la Bible que la vérité n'a pas franchi nous. Ça m'en de la vérité, les que vous repentiez, il est nécessaire pour nous faire repentance chaque jour. Parce que c'est de repentance nous que nous parlons venir à la vérité. Parce que si que moi te font bagay qui mal, moi reconnaître que ça me fait un qui mal, so moi pas ka recommencer là dedans encore. Parce que la vérité vient dans ou même ou connaît salié, so pas ka retourner back dans jambe ta vivre là. Parce que connaît la vérité, ça fait dire la vérité la peut faire porter lumière la caillou pour capable wè côté téyan dans qui est toteyé, côté m'téyé avant, côté mieux kounyé et qui côté moi voulais aller. Parce que si moi connais me faire péché, moi connais la vérité pas dedans, moi vienne connaître la vérité, connaît moi pas ka continuer dans façon m'ta vivre là encore. Vous connaissez physiquement, monsieur le théologien, c'est ça lié dans la Bible là, côté Jésus-Christ, je suis le chemin et la vérité. Lorsqu'on parle de la vérité, c'est Jésus qui dirait. Ça veut dire Jésus est la vérité. Et la vérité. Amen. Les dis-nous tout dans Jean 8, verset 31 à 32. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vrais disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Ok. Si on a parlé de vérité, qui ça nous t'a voulu dire moi étant chrétien qui convertit, qui accepte Christ comme sauveur personnel et puis qui continue à bâiller mentir. Et pas oublier non, et la parole de Dieu déclarée qui veut dire il parlait des deux fils. Il parlait de le fils de la perdition et le fils de Dieu. Ça veut dire l'homme vivre dans la vérité, ça veut dire c'est petit bon Dieu. Mais l'homme bah menti ou c'est petit Satan parce qu'il dit Satan est le père du mensonge. Ouais, ça veut dire soit bah menti c'est Satan qui pas bon, c'est pas bon Dieu pas bon. Est-ce que mon Abdou, ça veut dire ou pas dans la vérité. Vous voulez faire me connaître depuis ou accepter Jésus, Jésus-Christ comme sauveur ou oui. Ou supposé abandonner ça veut dire bah menti. C'est ça qui fait le déclarer dans parole, il dit si c'est oui, dit oui et si c'est si non. C'est non. Dit non. Le connait à nous venir dans quelque vérité et mensonge là c'est un monnaie courant. OK. Dans le chrétien, est-ce que nous sommes capables de dire que nous avons prendre conscience? Et c'est ça, et ça fait, et nous avons dit qu'on travaille qui pour qu'on fin fait. Ça veut dire le Saint-Esprit encore veut dire qu'il y a plus de travail pour le faire, qui veut dire en dedans, on sait le monde, hein, et qui utilisait et qui le mensonge. Parce qu'il n'y a pas oublié, non? Et ennemi depuis dans le jardin d'utiliser le mensonge et encore on est capable de dire et il toujours continue à utiliser le mensonge pour le capable la guenon de la perdition et n'a dit tout le monde qui veut dire qu'a pratiqué le mensonge ça veut dire les pipe l'enfer qu'elle pipe et la vie éternelle. OK, mais pas oublier que n'a parlé de la repentance. Les plus près ou bien plus loin. La repentance, c'est un changement de pensée, de comportement, de mentalité, de conduite, et d'avis. OK? C'est une disposition. Oui, ça veut dire un changement qui fait en profondeur. That's it. Ouais. Mais comment se fait-il que cet esprit, il est vrai que la présence de cet esprit se manifeste dans mon âme lorsque la grandit, lorsque le gars maîtrise, lorsque l'on parle de la plénitude. Cet esprit. Parce que, est-ce que frère ou bien sœur, l'église de cet esprit a dirigé Vili? Et c'est là, immédiatement, frère Duval, c'est ça qui fait dans le sujet qu'il a traité à Soya, qui veut dire, que dois-je faire pour être sauvé? Il y a une partie qui nous gagne pour rentrer là-dedans, qui c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Qui veut dire le Saint-Esprit, qui veut dire c'est lui-même. Qui est épine dorsale chrétien, épine dorsale de l'église là, ça veut dire sans le Saint-Esprit, pas l'église, sans le Saint-Esprit, pas un chrétien. Est-ce que Abdou, sans le Saint-Esprit, pas un chrétien, c'est le Saint-Esprit à même qui peut diriger la vie chrétienne. Et selon nous te lis dans Jean 17, je crois le verset 7, et il te dit, est-ce que Jean 17 et verset 7, et il te dit comme ça, et quand le Saint-Esprit a venu, est-ce que
et la convaincre, hein, qui veut dire et le monde, hein, le monde de péché. Si le Saint-Esprit a convaincu de péché, ça veut dire ou pas capable. Jean 16, hein, disons, nous dit Jean 16, verset 7. Hein, et si le Saint-Esprit a venu, il convainc de péché, s'il montre au péché, hein, ou pas capable de continuer à marcher dans le péché. Est-ce qu'on ou de obéir, qui veut dire avec Saint-Esprit. Hein. Amen, 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 amen. Et dans le moment ça, il veut dire, n'a pas pause, et puis n'a pas retourné tout de suite. À la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Restez branchés avec nous, pas aller, restez branchés avec nous, n'a pas pause, n'a pas retourné. Continuez vos messages.
Nous saluons nous encore, nous de retour. Nous connaissons que nous tapons bâti un topic pour nous. C'est comment je dois faire pour être sauvé. Côté dans le commencement début, nous sommes entrés, nous avons parlé de faut croire. Avant, il faut repentir et faut confesser. Dans le moment ça, nous allons entrer dans la confession. Côté nous allons parler de ce que la confession est et comment pour confesser. Dans le ministre, ça a fait place avec Sœur Laurent qui a fait la définition de confession, gens que les comprennent. Ok, le nous regardons dans Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mm-hmm. Ça veut dire publiquement, nous, Jésus-Christ, t'a fait déclaration ça. L'Europe confessé, moi capable de confesser, c'est nous avons deux confessions. Nous avons confession de la foi et confession de péché. Et Frère Duval, qui ça ou capable dit nous de confession de péché? Bon, et la confession, nous avons une confusion totale, capitaine. À partir de certaines de religions qui mettent la tête, yo, que vous avez approché dans les oreilles du monde pour confesser vos péchés. Et ce n'est pas ça. Parce que l'homme dans son péché ne peut pas aller par le miroir. On va supposer aller auprès de lui-même pour parler. Il est parce que Jacques, il faut comprendre que nous avons confessé entre nous-mêmes pour que. Lorsque nous déclarer, nous reconnaître que nous faisons, nous offensons mon Dieu, maintenant nous avons prié pour l'autre, pour nous être capables de nous pardonner le péché. Mais vraiment, sans confession, il y a deux aspects là-dedans. Les offenser au monde, vous obligé d'aller auprès de mon ça. Parce que, quelle que soit la faute qu'on commet, parfois c'est mon Dieu offensé, parfois c'est au monde tout offensé. Et de pour offenser les gens, ça c'est une offenseur et offensé. Offense. C'est-à-dire que vous obligez de tout, de, tout ça yo, pour être capable de venir pardon péché. Même les gens devant le trône de la grâce pour venir pardon. Mais Dieu beaucoup aller devant Frère William pour moi dire que je connais ça, je ne pas bon. C'est-à-dire que pour moi, ça c'est un truc qui est négatif. Il va achever. C'est ça que fait Lidou tout dans le livre de Jacques. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Qui veut dire qu'il faut qu'on ait que, oui, on a confessé péché, mais il faut confesser péché aussi envers vos acteurs, si vous offensez ou si vous offensez autour, parce que c'est comme ça qu'on a un pardon devant papa. C'est vrai. Nous parlons d'auditeurs, auditrices, radio, disciples, d'accord, capitaine, de l'appel tomber dans la confusion parce que il y a un courant religieux. Qui fait comprendre qu'il veut dire qu'on confesse péché devant le monde. Il n'a tout dit la soya, ou besoin de confesser péché simplement avec bon Dieu. Amen. Mais l'elle dit confesser péché entre frères avec soeur. En d'autres termes, le mot ça, il veut dire c'est l'air qui est offensé, qui veut dire un frère ou vient demander le pardon. Mais qui veut dire, mais quand il monde pas confesser péché devant le monde. Pas confesser péché devant les hommes ou confesser péché devant bon Dieu seulement. On a le nom Luc 15. Luc 15, verset 21 pour le matin. Luc 15, verset 21. Mm-hmm. Bon, pendant que nous cherchons Luc 15, verset 21, et pendant que Pasteur Wilner vient avec nous, nous ne devons pas aller confesser devant l'homme. Mais nous, moi connais le monde pral prendre communion dans l'église catholique. Yo pral devant père là, yo pral confesser. Qui ça elle confesser là? Avant yo prendre communion, yo confesser devant prêtre là. Mais c'est ça que fait que faut de ça parce que l'homme quand il prend dans Luc 15 verset 21. Mais de mon père, j'ai péché contre le ciel. Et contre toi. OK. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je t'appelle ton fils. Mais est-ce que qui veut dire est-ce que le prêtre là c'est pas bon? Il va pas mal. Hein? Est-ce que le prêtre là c'est pas bon? Vous dites vous allez confesser devant là? Et là on va le confesser
et qui a le pouvoir de pardonner le péché. C'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Qui veut dire pas la confesser devant l'homme. Pourquoi on fait le nom de l'intercession comme si qui bon c'est pas pour justifier yo mais c'est comme ça moi t'ai qu'a dit yo faire par exemple yo pral côté yo pral côté le père yo pral côté papa yo et c'est ça pour où mais non mais ouais, qui comme si c'est ça me penser dans style ça que yo fait non mais encore okay, c'est ça frère nous sont seuls qui qu'a pas pardonner c'est ça dans Luc 18 verset 1 dans le fond du val jusqu'avant parce qu'il dit yo pral côté papa pour et en nous font goudey parce que nous auditeurs attendent nous nous avons besoin d'une compréhension de ça qu'il a dit yes. Pour nous montrer qui veut dire bon seul intermédiaire parce que l'autre monde dans 1 Jean 1 et 1 Jean 2 et le verset premier 1 Jean 2 il veut dire le verset premier apôtre Jean dit comme ça mes petits enfants il dit je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et je ne vous dis pas, qui veut dire, nous ne pouvons pas toucher aucune religion, mais nous connaissons que c'est Jésus qui est comme avocat pour intercéder pour nous. Amen. Nous ne pouvons pas devant aucun monde encore qui veut dire, nous avons seul avocat qui intercède pour nous. Mais avocat, ça que nous gagnons pas bien avec la venue de Jésus-Christ, voilà des déchirés. Et voilà ça, c'est une séparation. Dans un lieu saint et très saint, dans un temple. Puis les actes, même avant, nous avons accès auprès du Père. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de personne pour intercéder, pour demander pardon pour nous. Exactement. Et après, nous appelons dans le livre 10, verset 13 du point 12. Au Dieu, sois apaisé envers moi. Ok? Qui suis un pécheur? Qui suis un pécheur? C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de voyer pour moi, non là. Et c'est ça qui fait nous ouais, Frère Duval, il dit si tu confesses et ta bouche. Et nous sautons lire dans le verset qui est dans Romains, chapitre 10 verset 9. Verset 9 là. Et son roman, il dit si tu confesses le Seigneur Jésus. Et son roman, il dit si vous confessez avec bouche le Seigneur Jésus, ça veut dire c'est lui-même qui a sauvé. Il dit tu seras sauvé. Et toi et ta famille. Yeah. Si tu confesses ça, ça veut dire l'offin qu'on est offensé, bon Dieu, nous dit ça. Et puis, on y a là où prend conscience de l'état où, qui veut dire que son t'es fait pas bon, ou qu'on a péché et content l'éternel. Pas oublier, non? Je ne vous dis après Duval, qui veut dire, je n'ai pas parlé de confession, il y a un bagage pour nous invoquer. Et nous allons à la donner pour que tous les hommes qui connaissent, quel que soit le degré péché ou, le Seigneur pourrait qui veut dire pour l'accueillir. Et c'est ça qu'on a dit auditeur. Le Seigneur pourrait pour. Parce qu'il dit dans Acte 17, verset 30, nous lisons ça pour nous. Et Acte 17, le verset 30, il dit comme ça, santé ni compte, et qui veut dire des temps ignorance. Acte 17, et verset 30, il dit Dieu, santé ni compte des temps ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Et puis il a raison, il dit parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Il dit et par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il a parlé de Jésus-Christ. Mais souvent, il dit sans tenir compte des temps d'ignorance. Ça veut dire, et nous, pendant qu'on a parlé de confession, bien aimé, parce que nous faisons expérience et la ria parfois, il y a des gens qui disent, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire pour me régler. Pas grand yon qu'à régler. Bien aimé, il veut dire, ou même qu'à tant de mla, pas grand yon qu'à régler, peut-être pas. Qui veut dire c'est venu joindre Jésus janvier. Parce qu'il dit sans tenir compte des temps d'ignorance. Pas garder au degré, il y a des gens qui gardent des degrés péché, il est tellement qu'on est offensé, mon Dieu, comme bon Dieu, pas garder. Il y a tout à fait, ils arrivent, venez plaider. C'est les qui invitent, venez plaider. Exact. Ok, et même dans Hébreux 7, 27 et Hébreux 7, verset 25, là, il faut comprendre que c'est pourquoi aussi il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu. Pour lui était toujours vivant pour intercéder pour eux. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a des gens qui disent nous, on n'est pas bon, beaucoup bon, qu'il est bon. Et on va plus bon parce que l'homme n'a pas se faire des questions. Exact. Et Frédéric Duval nous content lorsqu'on dit ça.
n'a profité pour nous dire frère c'est bien aimé capitaine Denio qui veut dire auditeur auditrice et radio groupe d'accord capitaine Denio ça veut dire pas grand monde qui va sauver tête lui quel que soit degré de moralité qu'il était capable de considérer qu'il gagne il pas qu'à sauver tête lui parce qu'ils sont pécheurs. Vous comprenez? Ils sont péchés, ils pas qu'à sauver tête lui, ils besoin Jésus pour le capable de sauver. Amen. Et à soi ou même qui pour faire rencontre avec Jésus, ou besoin Jésus pour sauver. Amen. Ou besoin premièrement qui veut dire pour connaître ou offenser bon Dieu à cause de péché ou yo. Vous comprenez? Ou offenser lui et puis ou prendre conscience que m'a vivre loin de bon Dieu. Et besoin bon Dieu, besoin réconcilier avec bon Dieu. Et puis me confesser avec bouche moi, puis je lui dis si tu confesses, et le Seigneur Jésus. Mm-hmm. Ça veut dire et elle dit si tu confesses le Seigneur Jésus, si là qui t'est mouru, qui t'est allé à la croix, t'est mouru qui veut dire pour sauver l'humanité. Amen. 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 N'a regardé dans Philippiens 2 verset 11 tout. Lisez que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et nous, c'est l'apôtre Paul qui t'a parlé là. Parce que des voix nous-mêmes, c'est l'idée, et le n'a pas continué. L'idée, c'est pour capable confesser. Confesser Christ, c'est-à-dire proclamer son évangile. Mm-hmm. Est le devoir de tout chrétien. Amen. Hébreux 13, verset 15, il dit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Nous, elle va faire louange. L'offrir, c'est-à-dire fruit de l'être. Confesse son nom. Et, c'est confesser ou confesser l'orange, bon Dieu. C'est l'orange, nous d'accord avec vous. Nous d'accord avec vous. Mais moi-même, je considère l'étape ça, c'est là où fin de avec Christ. Et ou ne pas louer au monde qu'on ne connaît. Ou ne pas louer au monde qu'on ne connaît pas avec lui. Ou pas une relation avec lui, ou pas une intimité avec lui. Nous d'accord, oui, ça nous dit. Okay. Et nous dit parole, ça nous dit à soi, que tout le monde qui capte de nous là, qui c'est chrétien, oui. Les fruits de jouer avec Christ, nous devons louer pas avec l'œuvre. Le fruit de vos lèvres. Ça veut dire nous, c'est pour nous. Oui. Accepter et quoi? Et quoi? Amen. Amen. Mais moi, ce n'est pas mon problème, nous allons expliquer. Ok. Dans Acte 8, verset 22. Acte 8, verset 22. Mm-hmm. Et nous t'as cherché un verset dans Akita. L'Église dit, repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Et il dit, s'il est possible. Il dit, pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Il dit, il n'y a pour toi ni part, ni lot et dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et pas oublier. Et là, Frère Duval, il y a une histoire qui t'est passée, parce qu'il faut nous raconter l'histoire ça. Parce que, bagaille qui est Pierre qui me dit, et a parlé là. Et c'est parce que il y a une histoire qui t'est passée, et le Pierre qui me dit, il t'est fin imposé, qui me dit d'approcher l'évangile, il fin imposé la main. Qui veut dire avec un série de monde et puis monde ça a été guéri mais par contre il était gagné là un magicien qui t'a offert et puis l'argent qui veut dire il était pensé qu'il était capable d'acheter le Saint-Esprit. Est-ce que vraiment il était pensé qu'il était capable mais on a tout profité pour nous dire monde je ne veux dire monde qui a prié pour monde puis il a fini à bailler l'argent le Saint-Esprit pas achetable. Ils ont voulu pas vendre le Saint-Esprit. Amen. Et nous joignons là, il dit mais Pierre lui dit dans Actes des Apôtres en 8 en verset 20, il dit Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Mm-hmm. Et puisque monde et verset ça les cabaye problème, c'est vrai. Mais si de tout cœur monde ça qui fait travail ça parce que bon Dieu a appelé monde toujours, il repentit. Il est capable, il a conscience d'état, il est repenti, ça veut dire la style jeune pardon dans mes bon Dieu. Mais s'il pas repenti parce que son bagage à son bagage qui mal qu'il dit, s'il pas repenti de ça qu'il fait et qui veut dire qu'il est pas capable de joindre pardon parce qu'il dit s'il est possible parce que bon Dieu toujours voulait pardonner petit. Est-ce qu'on comprend? Il toujours voulait pardonner le frère Duval. Toujours voulait pardonner là. Mais s'il est possible, c'est que est-ce que repentance là a fait de tout cœur? Est-ce que si repentance a fait de tout cœur, la prise se voit pardon. Mais si repentance n'a pas fait de tout cœur, pas oublier non, magicien est déjà repenti. Il est déjà repenti, oui. Mais repentance n'a pas fait de tout cœur. Parce que lui croit qu'il veut dire que pour qui ça le fait lui,
c'est parce que lui-même par des procédés magiques, il t'a conseillé des bagailles, mais qu'il y a une puissance qui dans Pierre là, qui est plus fort que puissance par là, qu'il y a lui fait comme si il était voulu convertir, mais c'est pour lui être capable de demander Pierre acheter puissance qui dans lui-même là qui c'est Saint-Esprit. Est-ce que ça me dit? Il met pas de gouverneur de repentance là. Il va faire la vraie repentance. Ça veut dire que dans le vrai sens, on va comprendre que pas qu'à gagner pardon péché sans que pardon on voit repentance. Pas on voit repentance. Je vous casse le bluff tout. Ou quand vous demandez mon pardon et puis comment vous comprenez mon pardon. Par exemple, il y a souvent, on va faire ça comme on le pardon. Son mari a besoin d'un même. C'est ça que nous voulons comprendre que nous-mêmes, étant chrétiens, on fait tout le moyen possible nous, pour nous marcher dans le vrai sens. On ne va pas se bluffer. Parce que mon Dieu, ce sont des cœurs où nous connaissons notre bluff. On va bluffer moi. On va bluffer mon Dieu. Mais on est qui sont passés de ça, c'est Albert. Oui, ça c'est sûr, parce que mon Dieu, l'omniscience, on va bluffer, qui veut dire. Si vous pensez ou vous aller côté on va demander le pardon et vous connaissez ce bagage ou besoin en retour ou pas pardonner devant frère ou pas pardonner vraiment devant Dieu alors qui veut dire vous still rester dans le péché. OK, mais on nous prend une dimension confession ou bien repentir comme même pas dans ça. Mais même faire nous comprendre que soit que on fait le côté pour moi. Sous senti sous connaît bon monde qui pas bien avec bon monde qui pas bien avec bon monde comme si vous connaissez il y a un monde qui pas bien avec mon ça qui pas bien même qui pas bien avec vous qui est au fond de votre là devant hôtel là tourner à négocier avec vous il a nous dit on l'a dit encore on a dit on l'a dit près du Val si vous connaissez comme si un monde qui était fort au bagage on était fort et on était fait non comme non c'est monde qui était fait au bagage. Mais non, si c'est mon nan qui fait yon bagay, est-ce que mon sa va, c'est pas lui même qui t'a dû venir demander pardon? Bon, de tout cœur, moi même, moi connais pas gen yon avec mon sa. Moi pas gen yon avec mon sa, de tout cœur. Moi pral déposer offrande, moi dans ce cas, qui sa ou dit mna frère Duval, si m'pa bien avec, pasteur Wilner, fait yon bagay. Mais ça parce que Wilner fait non. Moi pas prendre aussi grand quelque chose que pasteur Wilner fait moi. Ou bien pasteur Wilner fin fait bagay là et puis me dit OK, moi capable comprendre non. Moi pardonner parce que par contre ça ou dit là. Mais pasteur Wilner pas accepté pardon ça. Ça c'est pasteur Wilner qui pas accepté pardon. Hein? Mais moi même déjà pardonne moi dit pasteur Wilner ou pas comprendre ça ou dire moi avancer. Mais est-ce que si me gal ba offrande ça moi obligé pour mal dire pasteur Wilner pardon. On va côté on a gardé quoi moi dit Matthieu 24. Et Matthieu chapitre 5 verset 5. Et Matthieu n'appli pour vous et dans Matthieu chapitre 4 et verset 25. Il dit ça, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois en prison, et que tu sois mis en prison. Et c'est verset nous ça. Et mais verset 23 qui verset clé nous, l'évangile du Val, il dit si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens, attendez bien, oui, c'est Myriam, parce que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Il dit laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et beaucoup moins de répondre parce que mes yeux font différence pour vous qui veut dire pardon ça qui n'a pas l'air c'est pas pardon inconverti à ok amen c'est pardon entre les frères ça est l'église qui a parlé ok oui definitely c'est pas l'église qui a parlé là c'est à faire nous pas vouloir la guerre mon confusion parce que n'a pas l'air de pardon pour le péché qui veut dire de qui mon n'a pas connu Jésus Christ ils sont prêts pour le confesser avec bon Dieu ok confesser péché là avec bon Dieu
mais quand bien même nous portons idée sur ça nous sommes dit là. OK. Et dans le cas où on entend qui veut dire pas la monde même s'il pas accepter ou c'est pas la problème dans poser non. Mais c'est là que le monde ça te fort bagaille là mais au bout que j'aime pas avec pour dire pour venir pour dire mon frère il est vrai que bon tu fais mon bagaille bon et moi même avoir nous pas un problème mais si beaucoup dit ça les bagailles ça aller dans cœur la dominer ou t'avais dit domination ça va pas quitter dans cœur comme même si c'est mon nak te fort il faut joindre mon nak pour réconcilier avec lui c'est ça la parole de Dieu. OK si moi si moi faire offrande ça et puis serviteur ça ou bien servante là ne dit pas dans l'église là. Bon, faut chercher le côté lié. Ça veut dire pas faire offrande d'aller chercher le côté lié. Oui, faut chercher le côté lié parce que c'est il parle de frères. Si c'est frères, son monde qui joindre avec lui. OK. Oublier nous, un frère son famille. Yes, parce que nous voulons pour auditeur auditeur capable de capable comprendre le sens de pardon très bien. Il y a un bagage symbolique là ou bien spirituel là, c'est dimension pardon là montre là. Exact. C'est dimension pardon là montre. Dimension pardon. C'est ça que fait, même lorsque vous faites la paix avec mon Dieu, avant même de plonger dans le droit, vous montez pas de même pour que je vous raconte. Oui, et Père Duval, on avance dans l'émission parce que pour nous vivre, nous avons tourné qui me dit non, a fait pardon. Parce que pour nous parler de pardon, il faut nous parler de sacré, on offense, sacré, on offense. Parce que nous avons parlé de étape salut à Bounia. Étape, comment dois-je faire pour être sauvé? En nous étant là, et prochaine fois nous quoi auditeur a quelque chose plus tard de nous sur les questions de pardon. Ce qui étape nous prend déjà là pasteur Willet toujours jusqu'à présent à faire sauver. Premièrement, qui veut dire il dit comme ça et de confession et confession. Non, nous te prendre premièrement là on parler de la foi. On parler de dire croire au Seigneur Jésus. Pourquoi il faut gagner la foi. OK. Et là nous te dit auditeur côté la foi sorti la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous voulez ça n'a pas demandé ou pas négliger d'entendre la parole de Dieu. Et puis deuxièmement nous t'ai dit nous il faut convertir. Convertir ça veut dire repentir, faut repentir. Et vous voyez repentir ça veut dire on connaît offensé bon Dieu, on péché contre le Seigneur, qui veut dire m'était offensé lui, qui veut dire qu'on y a là mal demandé le pardon et pas qu'on y a demandé le pardon c'est confesser, c'est une étape de confession. Et nous allons prendre une pause pour nous capable tourner. Nous avons tourné pour nous, puisqu'on finit de convertir pour nous, pour baptiser. Amen. Okay. Et on a pour une pause à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous retournons ensemble avec Dialogue Spirituel, non, côté que nous avons un sujet à débattre avec nous. C'est que dois-je faire pour être sauvé? Nous avons tout débat nous avons fait, côté que nous disons qu'il faut croire.
faut qu'on repenti et faut qu'on confesse péché pour capable sauver. Mais gon l'autre étape qu'on passer pour nous entrer pour capable sauver côté que nous pral entrer dans étape ça, n'a fait place ensemble avec Évangéliste Duval côté que il pral entrer pour lui parler nous d'étape ça. Bon, baptême non. Bien, il fait un peu la couler dans mon spirituel là. Au niveau du baptême. Et à ce moment-là, dans le temps que nous gagnons, nous sommes capables de chita en long et en large dans le baptême. Mais tout simplement, il faut comprendre que le baptême, c'est deux ordonnances que bon Dieu guide. C'est le baptême et la Sainte Seine. Et le baptême, nous sommes capables de rentrer dans un package pour bénéficier de la vie éternelle. Ok, ou obligé pour la conviction de comment vivre là, ou obligé, puisque vous reconnaissez que façon de la pas bon, qu'il y a autant de paroles là parler, ou venir la foi, ou convertir, ou repentir, ok, on repentir là, qu'il y a pour capable de jouer un pardon de péché à rien mieux, moi confesse ce péché mieux, vous confessez deux fois tout. Je m'en donne pardon, mais ça me va tomber dans le baptême. Mais le baptême, non, frère, ce n'est pas pour un petit glow pour vous et sur moi. Parce que c'est comme si je me disais, c'est laver, je vais purifier, je vais nettoyer comme moi. C'est comme si je vais plonger dans le sang de Christ, c'est comme si je vais mourir avec les yeux que je vais lever. C'est ça que nous faisons comprendre trois étapes dans le baptême. Et avant même toi étape, on va qui important. Il va qui important pour porter clarification qui veut dire pour auditeur auditrice radio groupe d'ici cap tendez puisque il y a monde qui t'a remis baptisé et il y a monde qui dans l'autre religion yo fait du val qui t'a je connais exactement ça. Vous dites c'est pas vous un petit gros sou. Est-ce que vous un thème clé qui veut dire pour employer pour moi ça même pas avoir un petit gros sou. Thème clé au cas emploi, c'est immersion. Qui veut dire que plonger dans l'eau. Plonger dans l'eau. Ça veut dire baptême, non, c'est pas aspersion. Non, c'est pas aspersion. C'est pas aspersion, vous étiez de l'eau. C'est plonger dans l'eau. Je suis là pour imiter Jésus-Christ, nous avons été plongés dans l'eau. Et tout à l'heure, on a parlé de plusieurs types de baptême, de figures, que nous ne sommes pas capables d'élargir, nous ne sommes pas capables de parler en la souillot. Mais tout baptême, ça veut dire que la mer rouge qui défend, non, on est rentré. Pas qu'avec deux parties pour être tout, puis on voit un type de sou. Et avec l'aïe, tu m'en sais, il faut avoir conscience, il faut avoir compte à la faire tout. Alors, pour repentir, pour baptiser, il faut avoir conscience, il faut prendre conscience, il faut d'accord, il faut régénérer, comme dit que où tu es né déjà, puis là, ils vont plaire au nat, né de nouveau. Donc, tu m'en sais, est-ce qu'il est né de nouveau, frère? Et nous dit on petit monde il dit et si nous prend on dit baptême là c'est un sentiment d'une bonne conscience et selon qui veut dire et Pierre en 3 verset 21 son sentiment d'une bonne conscience ça veut dire on petit monde pas de conscience il va qu'on baptisé et c'est ça qui fait opposer et qui est-ce qui candidat qui capable candidat au baptême est-ce que vous à d'autres termes qui veut dire et les enfants qui pour petit monde qui pour prendre conscience il pas capable baptiser Frère Duval. Parce que c'est au mec pour prendre conscience que Jésus-Christ est mort pour eux. Est-ce que vous avez bien oui? Okay. Je parle de conscience, c'est au mec pour prendre conscience que Jésus-Christ est mort pour eux. Et nous, le geôlier qui veut dire dans Acte 18, verset 8, il prend conscience. Et parce que le geôlier, c'est grand monde. Est-ce que vous comprenez? Il prend conscience, et puis immédiatement, il veut dire qu'il est décidé pour recevoir Christ. Est-ce que vous comprenez? Okay. Et... En nous, dans Romains 6, verset 8, et nous parlons de immersion, mort avec Christ. Dans Romains 6, verset 8, nous, or puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Et ça fait les retours d'immersion, hein, que vous plongez dans la gloire, vous allez mourir avec Christ. Totalement. Totalement. Et on va lire dans Romains 6, verset 4, où nous parlons de submersion. Dans Romains 6, et puis verset 4 là, on va chercher pour un bagage. Romains 6, verset 4. Romains 6, le verset 4.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. On a le bon troisième étape là pour émerger. Dernier, Sœur Albert cherché Colossiens 2, verset 12, et Sœur Myriam a cherché Romains 6, verset 5. Colossiens 2, verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Romains 6, verset 5, pour moi. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est-à-dire que nous voyons que la troisième étape là, c'est émerger, qui veut dire ayant été enseveli avec lui pour le baptême. Amen. Et pour nous clair, qui veut dire avec auditeur, auditrice, et l'autre bien-aimé capitaine de nous, capitaine de Tita, Asoya, et qui c'est dialogue spirituel. Et nous, et baptême, là, c'est immergé, c'est plongé dans l'eau. C'est pas aspersion que vous étiez de l'eau sous. Et nous, dans Jean 3, verset 23, il dit Jean aussi baptisait à Enon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Il dit il y avait beaucoup d'eau. Et dans le, nous poursuivons encore dans Actes des Apôtres 8, verset 38. Ça, c'est là qui veut dire Philippe rencontrer Énicla, qui veut dire poussé par le Saint-Esprit, il rencontrer Énicla, il veut dire dans le désert. Là. Mais ça le dit, il dit il fit arrêter le char. Philippe et l'Eunique descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa le Nick. C'est plongé dans l'eau. Philippe parle pour un petit bout de l'eau dans la rivière. Il parle pour un petit bout de l'eau dans la rivière. Avec vous le dit, et je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il fait plonger dans l'eau. C'est ça qui fait l'important. Bien aimé, vous êtes capitaine de moi. Si vous-même qui recevez un baptême par aspersion, vous n'avez pas biblique. Mais c'est vraiment une bonne question que je me pose là, pour nous faire entrer dans le baptême. C'est le monde qui refuse de baptiser et qui fait connaître que lui-même est sauvé. Et je tourne encore dans le reste du verset qui est dans 1 Pierre 3, verset 21, Frère Duval. Parce que nous tournons là-dedans, dans 1 Pierre 3, verset 21, et nous avons plusieurs autres versets encore qui veut dire nous avons dans Jean 3, verset 5 tout. Mais on a tourné dans 1 Pierre 3, verset 21. Non, mais avant nous, 1 Pierre 3, verset 21, c'est la troisième étape là. Oui. Il y a trois étapes, il y a l'obéissance. L'obéissance. Il y a l'obéissance. Regardez bien pour un Matthieu 28, verset 19. Oui, Matthieu 28, verset 19 là, il dit celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. 28, verset 19. Allez. Mais les Juifs s'y opposèrent. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Matthieu. Parce qu'il dit allez, okay. Faites de Matthieu, toutes les nations les disciples. Okay. Parce que moi, il dit les baptisants au nom du Père. Du verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, vous n'avez plus forme ni utiliser le verbe là. Allez. C'est l'impératif. Ça sont l'autre qui le passe au Kounia là. Ok. Dans la minute ou pas voulez respecter l'autre là, ou en de rébellion. Mais ils sont l'autre qui le passe. De beaucoup de nous. Depuis nous, à ce côté, qui utilisent l'impératif, sont l'autre. Mais comment fait-on dit dans Éphésiens 2, verset 8 et 9? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans 9, nous avons continué, ce n'est point par les œuvres, qui ne dit pas rien qu'on fait, afin que personne ne se glorifie. Ok.
oubliez que nous devons comprendre ça. Dans l'heure là, dans l'étape pour brûler, pour joindre la vie éternelle là, pour me faire bouger, il faut quoi? Et ça fait, ou appelez toujours, dans Acte 16, verset 30, lorsque gardien t'a demandé à vous de voir avec Silas, qui t'a fait pour me sauver. Et ça n'a pas galé. Il dit quoi aussi à Jésus-Christ? Et où est? Toi et ta famille. Et gardien t'es d'accord? Nous avons fait notre terre. Pendant tout le monde a abdominé. Il était recevoir. Pendant tout le monde a abdominé. Il prend. Il baptisé avec. Il baptisé. Il a baptisé. Il recevoir Jésus-Christ. Baptisé. Il est baptisé. C'est-à-dire que c'est la continuité. Maintenant, puisque nous disons que l'ordre qui passait depuis Matthieu 28, verset 19, il passe son ordre. Une question, mais moi, marcher l'église ou pas voulez obéir, là c'est au connaît. Ou pas la deuxième étape là, c'est la fidélité de Dieu. C'est parce que au fidèle. Tenez bien, fait du mal. En nous lire dans Marc, qui veut dire Marc, parce que moi, mes versions Marc là, Marc chapitre 16, et moi, mes verset 16, et est-ce que vous Marc chapitre 16, le verset 16. Il dit c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ouais, il dit c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Bien aimé, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire et si ou quoi ou pas baptisé bien aimé, on va avoir un obstacle. Est-ce qu'on voit un obstacle là? Et c'est ça que fait apôtre Pierre qui veut dire aller plus loin. Elle a parlé lui, elle a parlé de l'eau du déluge, de Noé, il parlait de la traversée qui veut dire de la mer Rouge, il parlait qui veut dire de la traversée du Jourdain qui était en figure de baptême. Mais il dit de l'eau ça, il pas de cap, et puis il dit cette eau était une figure, c'est une figure, ça veut dire une figure, c'est un représentant qui veut dire pour les choses à venir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme la Bible dit, le corps est en Jésus-Christ. Mais quand il dit dans verset 21, 1 Pierre 2, verset 21, verset 1, il y a deux volets là-dedans. Il dit cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification et des souillures du corps. Ça veut dire, et c'est une figure du baptême. Il dit figure du baptême, ça, il n'est pas là, c'est pour te laver comme on. Mais, attendez bien, mais, il dit, mais, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ça de l'OAT. Mais c'est à poursuivre. Il dit, et qui maintenant vous sauve, frère Duval. Tenez bien, mais c'est ça qui fait mon grand pile problème avec moi qui dit baptême pas sauvé. Il dit, et qui maintenant vous sauve. Tenez bien, ça l'a dit, vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Ok. Et vraiment, texte, sujet, moi, doit questionner verset A, c'est avoir une bonne conscience. Une bonne conscience. Est-ce que vous sentez que je vais marcher à des bons? Une bonne conscience là, il dit Frère Duval, en d'autres termes, qui veut dire Kounia là, m'a fait une déclaration publique que vraiment vous me recevez Christ comme étant sauveur. Amen. Est-ce que vous me une déclaration publique parce que je viens de confesser. Non, mais moi, problème, non, que vous voulez même de prendre conscience pour oui. Prends conscience pour vous. Allons de Corinthiens et 5, verset 13 pour vous, magasin. Mais prends conscience pour vous. Est-ce que j'aime derrière, je garde comme ça. Et nous avons dit que c'est Myriam dit non à propos des questions ça. Est-ce que j'en dis hier, nous carré comme ça? Est-ce que Myriam, est-ce que nous carré comme ça? Non, si on dit ou croyez, ou accepte ou croyez, ou accepte ou repenti ou confessez, qu'on nous prend baptême ou pas arrêter comme ça. Supposez qu'il y a un changement qui fait, parce que après baptême, il y a un changement quand même qui vous fait dans la vie. Et changement, ça l'a fait par rapport à gens qui ont mené vie, parce que soutenir un état, c'est parce que vous reconnaître dans l'état où vous êtes, qu'il faut accepter pour croire. Pour accepter ou convertir, pour repentir, pour venir baptiser. Donc, so, à partir de baptême, nan, nous connaissons l'autre marche à suivre pour capable rester dans la sanctification devant bon Dieu. Donc, nous ne pouvons pas rester dans le même genre. C'est comme si tu fin bien ou à sale corps, si tu arrêtes dans le même genre. Il faut que nous l'autre changement qui fait. Parce que c'est ça la Bible fait nous comprendre. Après baptême, il faut que nous capables changement dans nous. Il faut que nous capables de Christ qui entre dans nous-mêmes. Nan, parce que dit mourir dans Christ ou lever avec elle. Autrement, nous lever à Christ. Faut le lever d'une autre façon. Même mon mettait avant mon que moi était déjà il mourit ce moi vinn on l'autre nouvelle créature parce que dit toutes choses anciennes sont passées quand toutes choses sont devenues nouvelles ce conseil de bagaille qui était là quand moi pas qu'arrêter même gens encore petit à petit la fait changement pas fait tout d'un coup mais à partir de la caillou famille ou mari ou petit tout faire capable changement qui fait la caillou témoigner des changements qui fait dans ma maman
nous pas arrêter même gens. Ça me connait la vie, moi le faire sur Albert. Livre verset ça pour moi. Dans Acte 2 verset 41. À partir de ça, il dit là, il est tombé dans Éphésiens 2 verset 8 là. Mais Éphésiens ni Acte 2 verset 41 et 42 tout. OK. Acte 2 verset 41 et 42. Ceux qui excuse-moi, mais je l'ai encore. 41. OK. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Exactement. Lorsque le gardien accepte les croix dans la parole, il est baptisé. Il est baptisé. Frère Duval, c'est ça que nous dit. Selon Marc, chapitre 16, le verset 16, on dit le baptême est nécessaire pour devenir chrétien. Est-ce qu'on voit? C'est une condition pour le salut. Mais selon l'ordre. Yes. Il est nécessaire pour devenir chrétien et son condition pour le salut. D'accord. C'est ça que nous faut comprendre qu'il y a obéissance, il y a fidélité et il y a conscience. Maintenant, ça m'empire, mais non, c'est ça que nous parlons tomber là de nouveau. Mais donc que et persévérer dans l'enseignement. C'est là que nous pouvons rentrer dans la persévérance, non? Et Frère Duval, jusqu'avant nous entrer, parce qu'il faut nous besoin qui veut dire auditeur, auditrice, qui apprend de nous là, pour être conscient. Si que vous converti des années où vous recevez Christ comme sauveur, soit pas même baptisé, qui te dit on irait. Amen. On irait parce qu'il nous dit encore baptême là, c'est son condition nécessaire pour devenir chrétien. Parce que, et d'après tout, c'est deux ordonnances qui sont laissées, c'est le baptême et la sainte. Bon, ok. On va plus loin. Au cours de la foi, de convertir, on a la foi, on est parti, et on va baptiser, on va sauver. Non, on va sauver. Parce que, on va prouver que. Ou sérieux. Amen. On va prouver que. Ou sérieux. D'accord, Oui, ça veut dire parce que si ou pas baptisé, d'après moi-même, l'eau pas baptisé, c'est qu'on toujours gros pied dehors. Non, ou pas vraiment parce que son symbole qui fait et pour faire ouais que ou quitter le monde ou dire le monde bye bye avec toute vie. Et puis ça va dire là ou pas sérieux. Parce que faut qu'on prouve le monde comme Aldo. Amen. Oui, ou pas sérieux. Faut prouver le monde comme Aldo. Mais si on a. Dans l'église et puis ou converti ou pas jamais baptisé. Gros travail qui va faire tout. Bon. Travail là pas fait dans trois sens. Premier sens c'est que c'est comme dans le leader pour jamais lancer une parole qui pour toucher ou tout avoir conscience. Amen. Et puis tu vas d'accord qui me dit c'est ça que fait n'a dit et si on nous dans telle l'église comme ça côté pas jamais parler de baptême. Besoin de conscience parce que au Cameroun on a péché. Parce que et baptême là du val la Bible porte action. Je cite avant de venir là, nous venons près de 400 fois qui veut dire après être encouragé. Non, mais pas problème, non. C'est question sur Albert là, il n'a pas souligné, il y a trois sens. C'est que Koto Chita, pour qu'on parce que la transformation de l'homme. C'est un message qui vient de Dieu. Tu n'as pas besoin de pousser de l'esprit que l'homme va parler de lui-même. C'est un touchement que vous faites, c'est une parole ou dit qui touche le monde. Qui permet que le monde prenne conscience, je ne vais pas bon. C'est une. Deuxième travail qui va faire maintenant, le salut personnel. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont une disposition vraie. Parce que même là où pas gagner cet esprit sur vous-même étant le monde, mais au moins est-ce que l'on suit conscience. Amen. Faut qu'on réfléchisse aux lèvres, même notre pique au monde pour dire mon nom, t'as pas mon nom, mais hop. Même les avos retournent dans la chance, c'était encore oui. Même au moins, on dit qu'on carrément qu'il est tout à bon. Troisièmement, ça, on va dire le lien, et quand tu connais, est-ce qu'on a les. Appelez-o. Ça, on va dire ça, non? Parce que nous, avons Paul, qui devait arrêter dans la rébellion. Lorsque les bons dieux venaient, il frappait sur la route de Damas. Oui, il était bien ça. Nous,
nous mais parce que moi m'a insisté à cela, c'est la question du baptême et pour recevoir Christ pour gravir les étapes comme on dit conviction, la foi et confession, converti, repentance, confession pour arriver dans baptême. Si vous refusez de faire ça, ça veut dire que vous attendez le Christ. Attendez bien. On lui dit Romains 6, verset 3 à 4. Attendez ça bien, il dit comme ça, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés par Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voyez, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité, et de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mais Frère Duval, avec qui parce que bien aimé, avec qui est-ce qu'on marché? Est-ce qu'on mourait avec Christ? Est-ce qu'on ressuscitait avec Christ? Et nous aller plus loin dans Galates 3, verset 27, tendez ça le dire comme il dit. Ça fait l'important pour même une mélodie. Pour jamais baptiser ou non côté ou non l'église pour l'idée à pas parler de baptême ou mettre chacun de l'autre côté pour marcher pour capable baptiser. Tendez bien, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêti Christ. Si vous pas baptisé, comment on fait revêti Christ? Pour pas baptiser, comment on fait revêti Christ? Dis-moi bien, bien aimé, parce qu'il y a soir arrivé, il dit, après, c'est ça que nous avons dit, nous avons parlé à soir, à diverses reprises, pour nous dire, auditeurs, auditrices, le message, nous, c'est que nous devons faire pour être sauvés. Et nous portons accent à soir, sous à faire salut. Bien aimé, à faire salut, c'est important. Est-ce que vous comprenez? Parce que la parole de Dieu lui dit, le temps est proche. Ça veut dire, de jour en jour, on a approché, qui veut dire, vers le retour de Jésus-Christ. Salut à qui veut dire, c'est une question qui est très importante, ou même qui peut joindre avec Christ, et nous capables de dire, ou capable de souvler, relé nous dans le numéro que nous baouillons, relé nous. Et puis, si bien l'autre côté en dans l'église pour aller, qui veut dire, pour accepter Christ comme sauveur personnel, profitez de ça, pas quitter le temps passé. Mais vous comprenez? Parce que le temps est à l'abri. Et nous continuons, vous voyez, l'évangile du Val. Bien, nous tombons dans sortie. Nous tombons dans la foi, nous tombons dans la conversion, la prudence, la confession, le baptême, le pardon. Est-ce que ça a été là que nous avons trouvé? Non, ça va arrêter là, Fébival. Non. Est-ce que vous voyez? Et nous disons que ça va arrêter là qu'on y a, puisque l'autre étape que nous relève, il veut dire la persévérance. L'année Hébreu 10, verset 36. Hébreu chapitre 10, verset 36. Et on nous garder ensemble, bien aimé, pour nous voir qui veut dire qui ça, Hébreu 10, dis-nous. Et à propos de Hébreu 10. Dans Hébreu 10, verset 36, mais ça nous lit, il dit comme ça, car vous avez besoin de persévérance afin et qu'après avoir accompli la volonté de Dieu et vous obteniez ce qui vous est promis. Il dit vous, après au fin de faire volonté bon Dieu, ça veut dire vous capable de joindre ça qui promet à vous-même. Et ça promet à vous-même mieux qui veut dire à soi, nous ne pouvons pas tellement dire parce que c'est libre en pile. Et souvent, mais pour nous dire ce qu'il l'œil et n'a jamais vu. Ce qu'il nous n'a jamais entendu. Ça veut dire que Dieu préparait des grands bagages. Mais vous avez besoin de persévérance. Mais après du mal, parce que vous avez demandé, après du mal, vous parlez de persévérance. Et qui ça exactement, persévérance, ça veut dire? Et qui ça grandonne? D'abord, même les nous pas qu'à mort toute persévérance, parce que là, pour nous dépôt. Qu'est-ce que c'est que la persévérance dans l'enseignement des apôtres? Je vois qu'il faut que nous dans Actes 2, verset 42. Ça veut dire qu'il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire, d'autres termes, dans la parole que bon Dieu t'a quitté à travers les disciples. Qu'est-ce que c'est que la persévérance dans la lecture de la Bible? Dans Romains 10, verset 17, dans 1 Timothée 4, verset 6. Nous avons lu 1 Timothée 4, verset 6. Oui, 1 Timothée, il dit Actes. Timothée 4, verset 6. Timothée chapitre 4, verset 6. En
En exposant ces choses, ô frère, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Nourri des paroles, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. 1 Timothée 4, verset 6. Ok, ça dit que on allait en faire un petit coup d'œil dans 1 Timothée 4, verset 13. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Vous avez dit que là, on a parlé de Noël, on a plusieurs reprises comme nous, et donc on a fait ça, va venir. Parce que toi, à la lecture biblique, des écritures, à la prédication et à l'enseignement. Moi-même, je vais vous dire trois mots. Bon, nous avons fait mon tour qui est avec nous tous sur Facebook, qui a fait commentaire toujours là, qui supporte nous tout au long de l'émission. Ça, à côté que frère, mon partagé avec nous, Jean 5, verset 24. Et puis, il y écrit tout la persévérance jusqu'à la fin. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que lorsque nous-mêmes, nous gagnons une possibilité, les soirs, le lundi, avant le lundi, pour nous persévérer dans la Bible, nous faisons le dos, c'est comme si pour nous-mêmes, marcher l'église là, de s'appeler sauver. Parce que dans des conditions, là, nous la persévérance dans l'étude biblique, persévérer dans l'enseignement des apôtres, persévérer dans la prière, ok, parce que nous allons prier même, persévérer dans la communion fraternelle, nous on a dévoré là. Ça nous va faire du tout. Ah bah ça même. Ok. Persévérer dans le combat spirituel. Parce que dans les batailles, nous entrons, on est pour nous des épreuves et tout. Nous quittons ça. Nous devons quitter l'évangile. On l'aime dans le monde. Alors, le verset, dans Hébreux 6, verset 11, avec 12, avec 15, il faut comprendre. Et dans Hébreux 10, verset 36, il parle de qu'il faut persévérer dans le combat spirituel. Parce que la Bible, vous auriez des tribulations. Mais victoire, c'est dans mon lié. Mais si n'importe qui bagage, ça peut être comme une petite foi ou autre. Ah, il est bien dans le milieu de nous, ça n'a pas de la façon dont. Il fait nous connaître, faut nous camper. Faut nous camper dans persévérance, dans même les obstacles, dans même les nous gain découragement. Même les dans maladie, faut nous camper, faut nous persévérer. Parce que c'est pas tout chrétien qui est capable prendre obstacle. Il y a un chrétien quand obstacle vient devant, il dit tant dire ça moi même pas venir dans l'évangile ça là pour m'a voir bagaille ça m'a jeune yo. Yo commencer quitter ça. Mais la Bible fait nous connaître, faut nous persévérer jusqu'à la fin. Exactement, exactement. Mais non, mais t'as pas le mais ça peut lui dire ça, s'il vous plaît, suivez-moi, prends quoi? Changez quoi? Je connais que l'ennemi n'a pas jamais bon possibilité pour arriver rapide. Ou toujours des difficultés. Et lui-même, lui dit ça, tout n'a pas à voir, il n'a tout. Mais c'est pour dire que tu as quitté ça. Bon Dieu, papa, le commencement. Ok? C'est ça que lui dit que la récompense de la persévérance. C'est-à-dire que c'est plus gros et important à ce qu'on tâche, à ce qu'on tâche, à la persévérance. Oui, oui, il faut y voir. Dans Romains 5, verset 4, il dit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, c'est l'espérance. Ça veut dire, l'orgueil qui veut dire l'on persévérer, qui veut dire la vraie victoire dans l'épreuve. Parce que, Pablo, nous, nous en combat. On a profité pour nous dire, de n'encourager comme si vous voulez mettre Christ, pas bien, pour rentrer dans le combat. Ça veut dire qu'on rentre dans le combat et qu'on y a contre le contre malheur. Parce que là, ou même qu'on y a qui est doté, l'origine de Christ, qui veut dire, doté par la puissance du Saint-Esprit, pour rentrer dans le combat contre les mauvais esprits qu'on y a. Ça veut dire qu'on a des preuves sur là. Mais on n'a pas besoin de paix qui veut dire à la croix, Jésus-Christ est déjà une victoire pour vous à la croix. Parce que là, pas besoin de faire, la pontibouée, quand il a tourné sous vous, il était branché avec nous. Amen. Amen.
Nous saluons encore, nous retournons. Nous connaissons nos sujets, non, ce que dois-je faire pour être sauvé. Côté que nous avons passé un bon moment, nous avons parlé de repentir, nous avons parlé de croire, nous avons dit qu'il faut avoir la foi, il faut accepter, confesser ses péchés, et côté que nous avons entré dans la repentance. Nous avons continué dans le moment ça, nous avons fait place avec l'évangéliste Duval, qui pourrait aller parler nous un peu de plus sur la repentance. Bon, lorsque nous avons parlé de la persévérance, de la repentance, quel que soit j'aime rentrer sujet A, il est supposé terminer par la persévérance. Parce que ça que vous espérez, et bien que on ne te dit, mais on a parlé de verset A, que fait nous persévérer, nous avons bénéficié ça que mon Dieu promet nous. Il me croit que mon Dieu promet nous la vie éternelle. Vous êtes que conseiller de mon Dieu faire discussion, mon Dieu va vivre tout. Et bien nous-mêmes, c'est la vie éternelle, c'est notre vie. Et à ce moment, il vient faire nous comprendre, la plus belle richesse que nous-mêmes nous gagnons, c'est la vie éternelle là. Amen. Comme on comprend. Parce que ça t'a dû pour ta offrir nous passer toute une vie sous terre et pour souffrir encore. Alors pour les gens qui pensent qu'après la mort, c'est le néant, nous disons à l'invité, sans réfléchir, suivre étape ça. Nous barons là. Relez-nous dans la mesure que vous sentez que vous pouvez non en position de ce genre. Et même là où c'est chrétien, tout, oui. Oui. Parce que, frère Olympique, nous pensons que tout le monde a marché l'église, c'est chrétien, oui. Non. Oui, parce que je dis, ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur. Et qui a pu rentrer, qui lui dit dans le royaume ciel là. Amen. Ça veut dire, il, nous, à ce moment-là, il a parlé qui veut dire de domaine et salut, et qui sont faits pour sauver. Nous parler de l'eau comme si pour aller simplement marcher dans l'église là. Mais nous voulons l'eau pour aller servir mon Dieu, pour aller servir Jésus. C'est ça, vous voyez? Servir mon Dieu. Et si nous t'apprenons pour décrire comment servir là, ça veut dire, nous ne pouvons pas bien finir. Mais nous voulons l'eau qui veut dire, puisque lui dit, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a pu passer. La raison pour laquelle donc tout le monde est simplement cité dans Jésus, mais il n'y a pas dans Jésus. Par contre, ça nous comprend, ça c'est lui à me comprendre, ça c'est et l'autre comprend à partir de ça. Donc tout le monde est cité dans mon Dieu, mais il n'y a pas dans mon Dieu. Oui, pasteur, oui, oui, c'est ça fait, verset a dit, c'est pas tout le monde, ou bien dit, qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a rentré dans le royaume ciel là. Mm-hmm. Parce que grand pile monde qui fait semblant vraiment, qui convertit et puis l'on regarde l'action moun sa, ou capable de dire est-ce que moun sa c'est un monde qui convertit vraiment. Et pas oublier nous même qui chrétiens c'est un modèle nous yé. Le moment que vous faites un bagage qui va bon, vous avez des yeux qui fixent sous. Moi par contre, si nous connaissons ça, il y a quelques chrétiens qui connaissent le vov dans un bagage, et puis vous entendez moun nan dit oh, pourquoi c'est l'évangile lié? Ça veut dire nous c'est un cadre marqué. Puisque nous sommes quatre marqués, c'est ça fait nous pas de faire. Il n'y a pas besoin de connaître si nous convertis tout bon ou si pas convertis tout bon. Vous comprenez? Mais seulement, il dit monde ça. Ou quoi c'est l'évangile? Il va dire chrétien. Ou quoi c'est l'évangile? Comment le faire à faire genre de bagage ça? Mais moi, même avec ou devoir, nous voulons faire c'est accepter Christ tout bon vraiment. Pour nous renoncer avec toute vie, j'œuvre nous. Vin jouen Jésus. Et pour nous capables d'être un bon chrétien. Le vrai chrétien. Nous ne pouvons pas appeler ces petits chrétiens. Non, nous ne pouvons pas dire chrétien. C'est le vrai chrétien. Pour nous servir bon Dieu fidèlement. Jean, bon Dieu, veut nous servir. Par exemple, nous sommes capables de dire, parce que vous voulez dire, nous lisons dans Matthieu chapitre 12, verset 50, il dit, c'est lui-là qui fait la volonté de mon Père. De mon Père. C'est mon Dieu qui lui dit, c'est vous-même. Et qui a rentré dans le royaume. C'est lui qui fait la volonté de mon Père. Vous ne pouvez pas dire vini l'église. Vini l'église. Vini rempli bon. Rempli bon, mais toutefois, même qui veut dire invité pour venir, mais le vini, il faut comprendre qu'il veut dire un changement que nous faisons pas caillou. Essayez appelez-nous à changer. Essayez appelez-nous à la transformation. Et celle monde qui va transformer la vie, c'est celle de Jésus. Et c'est ça fait même, oui, pasteur Wilner.
changement. Depuis que nous avons converti tout bon pour accepter Jésus-Christ comme sauveur, ou après changement. Amen. Moi toujours dit ça, me songe l'aime t'a grandir Haïti ou est mon accepté Christ comme sauveur li ou est changement dans lui-même. Ou est jodi al vin l'église, moun sa pa konnyon mot chant dans chant d'espérance là. Et puis kounya ou elle commencer faire des efforts. Ou est changement, ou elle a pas prendre des versets, ou est changement dans lui. Et ben là nous garder c'est sacré les persévérance là, moun dans cette obligé vin gon marche à suivre. Li c'est obligé gen Bible nan men l'ap li. La chanter, la PC fait tout bagaille ça pour compte parce que changer bien l'ont fin baptiser Saint-Esprit lui même a fait bagaille ça. La fait naturellement la caillou. Parce que ou vinn gon envie, ou vinn gon avant-goût pour apprendre chanter pour bon Dieu parce que c'est normal de pour converti ou avait ou accepter Christ tout bon ou fin baptiser. Gon c'est des changements faut faire la caillou. Oui, ou pas connaît pas sur une gain si on série de monde qui à l'église, c'est parce que les regarder dans closet yo. Yo ouais ou chargé rad. Yo juste habillé à l'église, moun sa pas converti vraiment. Bon, nous pas vle que c'est comme ça pour lié. Et souvent et pour regarder comme si d'Abdou, moun sa ce sont des nous capable dire des observateurs que. Mais comment moun là? Comment moun capable constater que si le converti vrai. Mais si le pas tu vrai. Qui ça moun là faire parce que tu pas habillé. C'est le plan médical. Chaque pas de moun le veut pour suite une plantation. Regardez comment lui fait un examen pour voir comment ça te dit. Et parfois, chaque année ou bien chaque mois d'enfant, on check-up. On nous fait Bible dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, qui permet que nous-mêmes tout, et pas seulement sur le plan médical, nous faisons un check-up, nous faisons un check-up sur le plan spirituel. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit nous consacrer. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Et puis tout ça crée que même Job au café et comme au café des tests chaque matin au pique pour comment se bouiller au garde au métier faire la nombre pour qu'on soit capable d'examiner ou capable de faire tout est-ce que vraiment vrai quoi au moins marcher avec Christ. Et même il y a somme dans des tours, j'ai dit bon Dieu, gardez pour moi c'est la bonne voie. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. Si mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que je dis là, pendant que nous là, nous avons frère avec ce nous qui dehors, qui veut faire la paix avec Jésus-Christ, et nous prêts, panel là prêt pour aller n'importe côté, à l'autre côté. Bon, là, mais est-ce que nous-mêmes, nous conseiller frère nous avec ce nous sommes libres dans l'évangile là. Pour dès ce soir, dans le de minutes que nous pouvons faire là, pour examiner tête, la conscience, surtout le monde des disciples. Parce que nous supposons un modèle. Amen. Nous-mêmes qui ont un groupe là, que les disciples là, et qui n'ont pas grâce à nous, les disciples de ce radio, est-ce que dans le de minutes ça, nous ne sommes pas capables de poser une question et nous demander si vous n'êtes pas sur la bonne voie, mettez-moi sur la bonne voie. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est, Péjival, nous disons que nous réalisons une autocritique, hein? Nous réalisons un examen de soi. Vous comprenez? Nous réalisons un examen de soi. Et nous sous-employons un thème là. Avait dit son check-up qui est lié. Chaque chrétien doit faire un check-up. Et nous prenons dans le psaume 139 et qui veut dire David fait un check-up pour ça. Il dit éprouve mon cœur. Il connaît mes pensées. Avait dit nous-mêmes, mon et l'offin fait ça. Ça veut dire vous faites une analyse de vous-même pour regarder qui côtoyer dans l'évangile là. Et l'offre fait ça qu'il dit parce que la Bible déclare encore, il dit l'juge était tout ou même pour pas juger. C'est un gros bagaille. C'est un gros bagaille parce que l'juge était tout, ça veut dire où est côtoyer, la Bible pour reprendre nous, ça veut dire dit pas juger, ça veut dire jugement en colère mon Dieu pas déverser sur parce qu'on déjà son propre jugement de vous-même. Et c'est pour garder qu'on est dans l'évangile là, pour être dans l'évangile là, oui. Soit marcher à Christ, parce qu'il dit c'est lui là qui fait la volonté de mon Père.
Mais pour soit fait volonté, papa. Vous comprenez? Mais c'est ça que nous sommes capables de dire à Soya, qui veut dire, et pour tout auditeur, auditrice qui a de nous, nous encourager, ou même qui vous rejoindre avec Christ, et vous êtes capable de prendre une décision à Soya. Parce que Christ est à la porte, la frappe dans le cœur, de vous émission ça à l'infinité de lui. Et c'est pour commencer par pour réfléchir, pour dire qui ça pour me faire, même avec Saint-Denis, avec Jérôme, pour me sauver, pour me recevoir la vie éternelle. Amen. Parce que si vous parlez, sans la vie éternelle, vous n'êtes pas capable de chiter même côté avec mon Dieu. Amen. Eh bien, il est déjà une minute de quoi, que pendant nous allons faire prière finale là, bien créer des minutes ça. Côté où il y a, on va prendre n'importe disposition. Pour que si vous voulez camper, camper, si vous voulez coucher, coucher. Si vous voulez prendre ça, prendre ça, si vous voulez. Emilio a été là, prière ça que nous allons faire là. C'est une prière que nous allons aller nous-mêmes personnellement d'abord, qui est dans la radio, qui est composée de panel là. On a demandé à mon Dieu pour nous faire conscience. Ok, et à nous. Parce que si on ne pas gagner, on ne va pas. On est obligé de gagner un comportement tout à fait normal. Et que nous-mêmes, nous captons de nous en tout. Même nous qui voulons faire la paix avec mon Dieu, nous disons que prière ça que nous allons faire à ce soir, c'est un sérum. Que n'a pas autre pour remonter, mais pour prendre force, mais pour que m'a senti que ou pas qu'à mourir derrière mon Dieu et m'a pris ça sur ou qu'à faire ça mon Dieu, mon pas qu'à mourir sans mon Dieu. Ok, ça dit que un mot, c'est dernier pas comme d'habitude nous, m'a connaître c'est sur Albert, bon mon Dieu, c'est le frère, c'est avant pasteur, mais nous devons le trouver la grâce dans Christ de bénir ça. Amen, amen. Nous voulons rappeler aussi que vous attendez Radio Disciple. Et puis, on y a préparé, comme l'évangile dit nous, disposez-nous pour cri de minuit. Bon Dieu bénis nous. Amen, amen. Et nous saluons et c'est vous qui t'attendez nous. C'est Sabrina, c'est Viviane. Frère Roland. Et Frère Roland. Frère Raymond. Et Frère Raymond. Victor. Frère Victor, on a profité de nous saluer dans le nom de Jésus. C'est Marie Carmel, c'est Françoise, c'est Françoise, Frère Daniel. Canada, Frère Daniel. Oui, nous saluons. Pasteur Matel. Oui, Pasteur Matel. Frère Sius. Oui, Frère Sius. Nous saluons tout le Frère Sius, bienvenue. Nous saluons dans le nom de Jésus. Amen. Toute famille disciple. Et nous disons tout le monde merci, merci. Tout le monde qui était taillé, qui était taillé de côté, qui était taillé de nous, merci. Et qui. Avons l'autre émission à la gloire de Dieu, côté nous allons prier ensemble avec vous à la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons entrer dans la prière. Et au même côté, à tout, vous capable prier avec nous, quand vous entrez dans la prière, participer dans la prière ensemble avec nous. Alléluia. Et pour nous terminer, je vous dis, en nous le fait foi, nous ensemble, bien-aimés. Alléluia. Parce que nous connaissons la prière, c'est clé qui crase toute la porte, qui crase toute la miraille. Alléluia. Amen. Et clé qui ouvre toute la porte, c'est la prière. Et qui veut dire la prière là lui-même, c'est nous dit c'est rentrer en contact avec papa, quelque bagaille nous besoin chaque jour. En nous lever voir nous ensemble à soi. Alléluia. Amen. Oh Dieu tout puissant. Oh Dieu d'amour, éternel. Oh Dieu de gloire, éternel Dieu de paix, éternel Dieu de pardon, éternel Dieu de miséricorde, éternel Dieu le Dieu merveilleux, le Dieu trois fois saint. Alléluia. Oh le roi des rois, oh le roi des rois, oh rocher des siècles, rocher salé, rocher qui n'a jamais changé. Alléluia. Éternel notre Dieu, notre roi, notre Père. Pour que je puisse marcher avant jusqu'au bout, pour nous réaliser, Seigneur Dieu, papa, la vie chrétienne, Seigneur Dieu. Son vie, c'est chaque jour, Seigneur Dieu, pour nous persévérer dans la parole, pour nous persévérer dans la parole, papa, Seigneur Jésus. Dans le ministère, papa, grand homme de nous dire, pour que le fait nous, Seigneur Dieu, papa, nous devons présenter devant toi, nous, papa. Nous disons merci, Seigneur Dieu, pour l'écrit. Nous disons merci, papa, pour nous disons, Seigneur Dieu. Nous disons merci pour Radio Saint, l'éternel Dieu, papa, pour l'évangile capable de prêcher à travers le Radio Saint, papa, Seigneur. Et pendant
que la population de la papa, Seigneur Jésus. Nous demandons dans mon moment, Seigneur Dieu, entre la caille institution, Jésus, entre la caille au corps de la féminité, qui est dans mon qui dans l'île qui besoin plus que jamais, qui dans l'île qui dans l'île aussi, on ne va pas passer, qui après ton nom parole, on a mon Seigneur Dieu, et dans l'île sa papa, Seigneur Jésus, nous demandons que parole, ça, Seigneur Dieu, parce que c'est l'entrée, le tout entre Seigneur Papa, et vous ne pouvez pas convertir, vous ne pouvez pas convertir, Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas parler de parole, ça, Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas prendre conscience, Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas parler de parole, ça, Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas faire des Seigneur,
Les victoires, c'est bien grâce. Alléluia, Seigneur. Toi, c'est pour ça que tu cherches. Nous sommes en bon sens. Avant-toi, Jésus. Alléluia, Seigneur. On a bon sens. S'il a été persécuté à cause de parole, Seigneur Dieu, nous allons nous battre force. On va nous courage, Seigneur Dieu. On va dire la paix avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, mon Dieu, va quitter, tomber dans le découragement, Seigneur Dieu. Mais maintenant, nous sommes Seigneur Dieu. Qu'aimer chacun de nous, Seigneur Dieu. Avec nous, Seigneur Dieu, papa. Oui, mon Dieu. Mais nous levons devant, Seigneur Dieu. Toutes les essais, nous allons nous battre, couvrir, Seigneur Dieu. On va monter des grâces, Seigneur Dieu. Afin que vous puissiez continuer à marcher dans la paix, dans la persévérance de ta parole, Seigneur Dieu. Au rempli avec un esprit son Seigneur. Écoutez, on va passer, Seigneur Dieu. Alléluia. On va en élément, en vase d'honneur, Seigneur Dieu. Cap faire, cap gloire, donc, cap lever, non, Seigneur. Nous bénissons à soi, nous louons. Nous laguons toute la main. Nous prions comme ça, Père. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, mais nous prions. Au nom de Jésus, et qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Nous dit, béni soit l'Éternel. 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 Béni soit Avant de venir tout là, nous remercions Frère Abdoxonio qui a fait un petit passement et la Bible nous travaille de mieux en mieux afin que le comprenne. Nous, ce n'est pas dans le même lieu, c'est dans le même lieu. Que mon Dieu bénisse. Amen. Sous parole ça, que bon Dieu garde nous, que papa ensemble avec nous, que petite l'accompagne nous chaque dans la demeure respective. Nous. La paix, bon Dieu, avec nous. Amen, amen. Amen.